approche à grands pas et nous sommes tous impatients et impatients de vous souhaiter bonne année à tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, bien évidemment. Mais avant cela, j'aimerais bien savoir comment mes deux CP du jour, donc Esther, qui est très bien habillée aujourd'hui. Merci. Cette couleur, ça te va super bien. Merci, ça change. Hein. Oui, ça change. C'est pas souvent qu'on voit. On aime bien, on aime bien. On est en tout, merci, c'est très gentil. Je vais bien. Et du coup, et toi? Non, merci, très très bien. Et toi, ma apuchou sucrée salée, la fille du peuple. Oh, la fille du peuple va super bien. Et chez vous aussi, j'espère que vous allez bien, mes crushs, mes CP, mes potos du club. Vous êtes nombreux à intégrer notre communauté et ça nous fait vraiment plaisir. C'est pour nous une aubaine pour terminer l'année en beauté. Et franchement, bien ça sûr. Mérite des applaudissements quand même. Oh, oui. J'ai vu dans ta face côté un télo aujourd'hui, ça donne un ça truc. Donne, ça, hein. Ça donne, ça donne une oui, vous savez, le télo est belle. Oui, on est à la fin de l'année, donc du coup, il faut calmer les esprits, il faut poser le ton, il faut être tout doux. Il y a deux choses que tu as dites là qui m'ont plu. Tu dis terminer l'année en beauté et puis le faire de la bonne façon. Voilà, donc c'est la fin de l'année, il y a les fêtes de fin d'année. Il faut rester positif, rentrer dans la nouvelle année de bonne humeur. Et d'ailleurs, pour ça, on va parler aujourd'hui de bonne humeur, mais également de bilan de fin d'année. Parce qu'en général, c'est ce qu'on fait tous. Enfin, je crois. Et vous faites votre bilan ou pas? Et donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est bilan de l'année et bonne humeur. Parce que oui, il faut faire un bilan et il faut le faire sans stresser, dans la bonne humeur, zen attitude, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec une énergie positive. Et donc pour ça, on aura bien sûr... Deux CP. Oui, on aura deux CP de taille qui vont venir ici sur le plateau du club nous entretenir sur leur bilan personnel et nous partager en même temps leur bonne humeur. Et sans plus tarder, on va aller pour la première CP qui s'appelle Au goût ma vie, Marie-Josée. Hello. On parle de bonne humeur, du coup, les salutations bonsoir, sont très... Bonsoir, ma vie. Merci. J'aime bien le look. Moi, j'aime bien le nom, le prénom. Où, c'est vrai, hein. Le ouais, prénom et le ma look. Vie. Je lui disais tout à l'heure, mais ma vie, quand ton chéri, en fait, il s'embrouille avec toi, il t'appelle comment, au final? Ma vie. Genre, c'est pas bon. Ma vie, tu as devenu maman. Elle a le même prénom qu'une de mes copines, ma vie. C'est vrai. Bisous à toi. Alors, ma CP, ma vie, comment tu vas? Je vais très bien déjà. Tu nous viens d'où? Je viens de Kumasi, ça fait Kumasi. Un plaisir d'être là. Voilà. Alors, ma CP, avant de commencer, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge as-tu? Tout ça. Ok, donc, comme je le disais, je viens de fêter mes 31 ans le 12 décembre. Wow. Et je suis dans le domaine de la communication en tant que conseiller client dans une entreprise de la place dont je ne vais pas étaler ici. Et je suis aussi, on peut dire, artiste en herbe. Attendez, voilà. Attendez. Ça fait beaucoup. J'ai bien entendu que le bébé hollandais, si, a 31 ans. Non, mais c'est pas un bébé hollandais. C'est ce qu'on appelle. C'est petit, mais c'est longtemps dans le jargon. Est-ce que tu as compris au moins quand je t'appelle bébé hollandais ce que oui, je veux dire? Oui, je comprends. Tu es super fraîche, tu fais pas ton âge. Tu fais vraiment moins que cela. Oui, on lui donnerait 25 ans, maxi. Oui. Non. Ouais, moi, je dirais 27 ans. Oui, pas, autour, pas maximum ouais. 27 ans quand même. Ouais. Ma félicitation mais pour si. Ça. C'est ce que toutes les femmes recherchent, je crois. Faire moins que leur oui, âge. Oui, effectivement. Alors, ma vie, on a préparé des petites questions pour toi. Ouais, on va faire le tour, on va bien sûr jouer aussi. Bon, après, je ne sais pas si tu vas rester avec nous, on va recevoir une autre CP. Mais bon, pour le moment, on va soucis. Te poser quelques petites questions et puis j'espère que tu auras des réponses à tout. Ça va, ça te va? Oui. Alors, moi, ma première question, c'est donc, concerne tout le monde hein, ici. D'accord. Si votre année 2022 était un film, lequel serait-il et pourquoi? Et tu es inspirée aujourd'hui? Yes, je suis très inspirée. Ça m'arrive des fois. Je dirais un film de science-fiction. Lequel exactement? Lequel, si tu as une petite idée. Je peux dire... Batman, voilà. Yeah, voilà. Batman. Oui, parce que on peut dire c'était un peu. J'aurais dit Catwoman. Voilà, effectivement. Bon, c'était un peu une année de combat, de beaucoup de d'efforts et tout. Donc du okay. coup, là, nous sommes à son aboutissement. Je peux dire que j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Okay. J'ai affronté plusieurs événements et là, je suis encore debout. Moi, ça me tourne. Hein. Mais
Voilà, c'est la vie et on essaie de faire avec. Mais tu es fière de toi quand même? Oui, parce que j'ai réalisé beaucoup de choses qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Et là, du haut de mes 31 ans, je peux dire qu'il y a certains trucs que j'ai réussi à faire, à accomplir. Et je peux dire que mon bilan est à moitié positif et à moitié négatif. Quand même! Voilà. Wow! This is great, like we like to say. Franchement, je suis contente pour toi. Merci. Et tout, parce que quand on arrive en fin d'année comme ça, c'est pas évident de dire voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Même si c'est recommandé de faire son bilan, c'est pas tout le monde qui y arrive quand même, parce qu'on n'a pas forcément envie de se remémorer de tout ce qui s'est passé en début d'année. Et pour répondre à la question d'Antonella, si moi je devais nommer 2022 en un film, je dirais 50 Shades, tout. Parce que ça a été... Attends. Non, ça a été des montagnes russes. Il faut laisser Daddy Chou, je t'ai dit. Daddy Chou, il a fait beaucoup cette année. Oui, ça a été des montagnes russes, côté émotion, côté vie même. Et puis, en tout cas, cette année 2022 a été une année magnifique pour moi, malgré tout. Donc, 50 Shades, tout. Super, 50 Shades et tout. Et toi, c'est tout. Alors, Esther. J'admire comment vous avez tout de suite trouvé le titre de votre film. J'ai oublié, vous savez, cette série qui a duré et puis on avait l'impression que ça n'allait jamais se terminer. Salonie. Non, non, pas... C'est pas Salonie. C'est pas Indien. C'est Américain, je crois. Ah, un truc, 24 heures chrono. Non, non, pas 24 heures chrono. C'est un truc qui compte les choses de la vie qui se passent et tout. Desperate Housewives. Un genre. Franchement, c'est toutes sortes de paliers de ma vie qui ont chauffé cette année-là. Que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, socialement, amicalement. Tout allait... Ça vibrait dans le... c'est parti dans tous les sens. Tout a changé, tout a muté. Et donc voilà, ce serait ça. Mais en positif, n'est-ce pas? Pas tout. Pas tout. En fait, tu n'arrives pas à dire si c'est positif. En fait, il s'est passé. Non, mais tu sais que c'est positif. Tu sais pourquoi c'est positif? Aïe. Parce que tu es assise, tu respires, non, tu travailles, tu nous parles, doucement, tu n'es pas malade. Donc c'est positif. Tu m'as demandé le nom de film. J'étais personne ne t'a dit c'est négatif. Elle m'a demandé est-ce que c'est que positif. J'ai dit ah tiens, là ce serait faux de répondre comme ça parce que c'est allé dans tous les sens, ça bougeait, voilà, donc c'est ça. Ok, super. Moi, je dirais The Woman King parce que je l'ai regardé dernièrement et j'ai vraiment, vraiment adoré ce film. En plus, il est sorti cette année. Donc oui, et pourquoi? Parce que je trouve en fait que c'est des femmes qui se battent pour avoir ce qu'elles veulent. Et puis, je trouve que je me suis vraiment battue cette année pour obtenir ce que je voulais. Et puis, je suis vraiment fière de moi. Oh, bravo, Aïe, t'es notre guerrière, franchement. Bravo à toi. Alors ensuite, si vous deviez noter en pourcentage, hein, je dis en pourcentage, les questions après si vous voulez noter, j'ai remarqué, quelle note donneriez-vous à votre année? Ah, on va commencer avec notre CP. Tu es en priorité aujourd'hui. Notre CP vital, voilà, j'ai trouvé son nom, son petit nom, notre CP vital. Je dirais 60%. 60%. Mmh. 60% des objectifs atteints. Niveau stabilité, pas forcément financière, mais mentale. Émotionnelle. Voilà, émotionnelle et tout. Donc je peux dire 60% parce que moi, le fait de me sentir bien dans ma peau est primordial pour moi. Ça fait partie de ma personnalité. Donc du moment où je me sens bien dans ma peau, je me dis que j'ai atteint tout. Ok, voilà. Super. C'est cool. Et toi, Esther? Je dirais pareil parce que l'an passé, je m'étais donné 70. Et je trouve qu'il y a eu un léger regressement. Okay. Du moins, ce n'est pas allé aussi vite que l'an passé. Donc, 60%. Mais pas parce que c'est négatif. Hein. Je dis juste que l'allure était moins fructueuse que celle de l'an passé. Voilà. OK, super. 60%. C'est bien. Quoi, toi, c'est 1000%. Non, ce n'est pas 1000%. Moi, je dirais 50%. 50%. Oui, je dirais 50% parce que cette année, franchement, j'ai atteint... plus de la moitié des objectifs que je m'étais fixés et même de ceux que je n'avais pas imaginé avoir, tu vois. Donc, je me dis que je suis à la moitié de ce que j'espère à obtenir encore. Donc, c'est pas tout. Donc, je préfère dire 50%. OK. Moi, je dirais 70% ou même peut-être 80% parce que je m'y attendais pas.
aujourd'hui, enfin, je suis très, vraiment très fière de ce que je suis devenue. Et je trouve que j'ai beaucoup appris. Donc oui, je dirais 80%. Je suis vraiment reconnaissante et puis voilà. Je suis pas pato, hein, mais de loin, je trouve que effectivement, tu as, je sais pas, je trouve que tu es différente, tu es une version double de toi. Non, c'est vrai. Moi, je la connaissais pas avant, mais en tout cas, la version non, que non, rien connais, même là, que la qualité du travail. J'ai vraiment changé. La down, c'est génial, oui. Et merci. Puis il y a les applications, les atteintes personnelles aussi qui sont très belles. C'est félicitations. Merci beaucoup, franchement. Merci. Oh, c'est chou. Envoyez la mouchoir, s'il vous plaît. Mais de toute façon, on entend ton sensé là. Vas-y doucement dans tes questions. C'est le titre. Allez, on continue. Alors, comment vous vous sentez à l'approche de la fin de cette année? Est-ce que vous craignez l'année 2023? Est-ce que ça va? Oui, beaucoup de craintes. Pourquoi? Oui, beaucoup de craintes parce que tel qu'on a abordé l'année 2022, c'était un peu difficile. Donc, je me dis, j'espère que ça ne sera pas pareil. Voilà, j'espère que ça ne sera pas pareil, j'espère que je vais aller un peu plus au-delà de ce que j'ai pu réaliser et tout ça. Donc du coup, juste un peu de crainte. Voilà. Ah, là, je ne sais pas si on est en train de communiquer, mais c'est pareil, j'ai peur. J'ai peur parce que je veux que ça se passe bien, tu vois, tu te dis, elle comme elle, mon année 2022 n'avait pas si bien commencé. Bon, c'est vrai que j'ai bataillé pour rétablir les choses. Mais j'ai envie de souffler un peu en 2023. J'avoue que j'ai envie que ça soit un peu moins de combat. Pas dans la facilité, mais souffler un peu, me sentir un peu plus zen. Avoir l'impression que je suis juste en train de me battre pour évoluer, mais pas qu'il y ait beaucoup de freins à côté, des choses qui t'épuisent et tout. Voilà, donc j'ai un peu peur par rapport à ça. Mais je ne perds pas d'optimisme, donc j'essaie de tenir. Non, mais c'est bien. Et t'inquiète pas, Dieu fera, de toute façon. Amen. Merci, sister. En tout cas, moi, j'ai la foi que mon année 2023 sera pas waouh, pas extraordinaire, mais elle sera magnifique parce que quand on a connu beaucoup de souffrances, à un moment donné, il faut se poser, il faut être optimiste, il faut laisser Dieu faire les choses. Donc, moi, j'aborde cette année-là avec beaucoup de calme, oui. Beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur, quoi. C'est-à-dire que je tombe, que je me relève, que je gagne, que je perde, franchement, tout va bien. Super. C'est le meilleur état d'esprit. Franchement, honnêtement. Moi, c'est pareil hein, aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de craintes. J'ai vraiment peur, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Je me dis, je laisse tout entre les mains de Dieu. Ouais. Et puis, ça a toujours été comme ça hein, chaque année. Donc, je me dis, pourquoi pas aussi cette année. De toute façon, on ne peut rien par nous-mêmes, hein, dans le fond. C'est que lui. Donc, il faut arrêter de croire en nos propres forces. Il faut savoir que c'est Dieu qui doit agir. Donc, c'est ça, atteindre ce niveau de foi-là. C'est ça le vrai, véritable combat. Et puis après, tout sera donné. Mais c'est super. Et on va terminer avec une dernière question hein, pour ma part. Ouais. D'accord. En quoi cette année a été marquante pour vous, chacune de vous? On va commencer avec notre CPCP. notre CPCL. Ok. Alors, cette année a été marquante pour moi parce que on peut dire qu'avec le peu de moyens, j'ai eu une satisfaction du fait que lorsque je mets mon argent, ça fournit quelque chose. Mon fils a eu l'entrée en sixième et c'était vraiment une joie pour moi. Et je continue de me battre et tout ce que je fais, je pense que c'est lui la motivation. Et j'espère que ça continuera et voilà. Ça me fait penser un peu à Nikki aussi. Elle a un enfant et elle nous répète sans cesse tout le temps cette phrase-là. Donc je la vois un peu dans ton... Ah, c'était le cœur. Alors Estelle. Pour être vrai, le vrai changement, c'est le fait d'habiter seule pour la première fois. Ah, voilà. Félicitations, l'indépendance. Oui, j'étais avec un homme, donc je ne manquais pas d'indépendance. Mais, non, mais ça, c'est un vrai changement. C'est... Parce que j'ai quitté les parents, ensuite j'étais avec quelqu'un pendant plusieurs années. Donc il y a toujours eu une forme de mentorat. Puis là, maintenant, tu es dans ton propre espace. C'est bon et pas bon. Et puis, au début, c'est bon et pas bon. Et puis après, tu apprécies.
Tu apprécies le fait de dépendre, de calculer ton timing et toute chose par rapport à ta propre volonté. Et donc voilà, c'est le plus grand changement que j'ai connu cette année 2022. En tout cas, au passage, hein, très belle déco. Merci. On aime beaucoup. Merci. D'ailleurs, si vous avez besoin d'Esther pour faire la décoration de vos apparts, voilà, c'est le but, c'est plus ça, le but, faire la promotion nickel. En tant que décoratrice. Alors, Nikki. Alors, pour moi, ça a été les montagnes russes, voilà, parce que cette année, j'ai fait une télé-réalité, j'ai tourné dans des films, j'ai fait quoi encore? C'est ça, on avait l'année de la télé. L'année, là. Et puis, je me retrouve à la télé. Et puis, en aparté aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie privée, dans ma vie familiale, des choses qui m'ont marquée positivement comme négativement et tout. Donc, vraiment pour moi, cette année, c'est la chance qui m'a marquée. C'est la chance que j'ai eue cette année qui m'a marquée parce que j'ai eu beaucoup de chance, quelque chose que je pouvais jamais m'imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Ou peut-être ton travail aussi. Mon travail. Ouais, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la télé, ouais. Et puis je vous ai rencontré, mon entouchou, mon estouchou, toute l'équipe de production, Malika, Awa. Comment elle s'appelle la beuble là? J'ai oublié son nom. Bon, ah, on te comprend, c'est toute l'équipe en 2022. En 2020. En 2020. Toute ouais. L'équipe, franchement. C'est beau. Oui, ils m'ont accueilli. Tout le monde me voit, Nikki. Franchement, c'est. Ça me fait chaud au cœur. Ici, là, il y a une telle chaleur. Oui, ça me fait chaud au cœur. Bien, oui. Bel environnement de travail. Et toi, Antonella? Alors moi, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'ouverture de ma première boutique. Donc c'est Athéna et puis c'est vrai que c'est un stress, hein. Mais je me dis bon, c'est pas bien grave. On verra en 2023 ce que ça peut donner. Mais en tout cas, tu gères bien. Moi, j'ai été à sa boutique, hein. Franchement, elle gère bien. Oh, merci beaucoup. C'est une vraie bosse. Hein. Donc voilà. Moi, je veux pas casser l'ambiance. Mais du coup, ça me donne envie de vous demander, alors, vous avez parlé des moments qui vous ont marqué, un moment difficile pendant cette année. Est-ce que vous saurez vous rappeler d'un moment difficile, l'ACP, un moment difficile, un fait qui a été vraiment difficile à vivre tout au long de cette année 2022? Ma vie. Je ne vois pas vraiment. Je ne vois pas vraiment de fait difficile. Mais... je peux dire, bon, le fait de se réveiller tôt le matin, c'est difficile pour moi. Ah, bah, c'est bien. Bah, c'est bien vital. C'est vrai que je suis un peu flemmarde. Elle est peu même. Non. Le fait de se réveiller à 4h10. Ah, 4h, c'est beaucoup, voilà. Très tôt. Hein. Donc, pourquoi 4h10? Pour éviter les embouteillages et tout ça. Tu es à Bingerville? Non. Franchement, les gars, vous ne pouvez pas rester un peu chez vous. C'est vrai qu'il y a trop d'embouteillages pour je le sais que les à Kumasi, voilà. Mais là-bas, non. Ça va un peu, du coup. Oui, là-bas, ça va, mais je fais la navette entre Kumasi et puis à Bobo souvent. Donc, ah, voilà. Ah, à Bobo, ça joue pas. Voilà, ah, donc ouais, du coup, le fait de se réveiller à 4h10 et tout ça, bon. Moi, je pense que c'est ça qui est difficile pour moi. Sinon, le reste, j'ai. Mais c'est tant mieux alors. C'est bien. Voilà. Moi, je dirais, c'est plutôt le stress. Hein. J'en parlais là tout à l'heure. Là, c'est le stress. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment très, très stressée en ce moment. Donc, j'espère que ça va aller. Et toi, Nikki? C'était quoi la question déjà? Un moment difficile. Un moment difficile, ça a été quand mon fils est tombé malade. Parce qu'en début d'année, il est tombé gravement malade. Et on a dû faire des jours aux urgences, au CHU de Cocody. Franchement, ça a été l'enfer, au fait. Tu es là, tu as ton enfant qui est couché, tu ne peux rien faire, on te dit rien, on t'empêche même de rentrer dans la salle. Franchement, j'ai vécu ça. Ça m'a traumatisée. Mais comme on le dit souvent, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà. Mon petit, il va super bien, il s'est levé, il est debout et... je ne cesserai jamais de bénir Dieu pour ça, quoi. Franchement, merci. Parce que je souhaite à aucun parent de vivre cette expérience. Ça a été très traumatisant pour moi. Dieu merci qu'aujourd'hui, ça va beaucoup. Oui. Et je suppose que c'est dans cet état que se sentait mon père. Parce que oui, le moment difficile que j'ai vécu, moi, c'est récemment quand je suis tombée malade. Les bilans n'étaient pas bons. Apparemment, j'étais en train de partir sans savoir. Et donc, voilà. Et donc, mon père, certainement, était comme toi en tant que parent.
il était venu faire ses vacances avec moi et on a fait à peine 4 jours de moussement. Il se retrouve à faire l'infirmier pour sa grande fille. C'était pas joli. Il a reporté son séjour pour m'assister. C'était difficile niveau santé, mais même émotionnellement, de voir mon père en train de faire le ménage, la cuisine et tout, parce que je suis invalide. Donc voilà, ça, c'était le fait qui m'a le plus découragée. Puis je pensais du coup que c'était la dernière année. Donc pas marrant du tout. Oh, et encore, ouais. Tu n'allais pas nous quitter comme ça. Oui, non, ouais. Ouais, heureusement. Alors les filles, les CP, qu'est-ce que 2022 vous a enseigné comme leçon? D'apprendre à être patiente autant pour moi, de savoir dire ce que je pense sans détour, parce que moi j'aime pas, quand je pense quelque chose d'une personne, j'aime pas dire automatiquement, je veux que la personne devine, donc j'ai appris, je veux pas mon comportement, je veux que la personne devine que je suis pas contente, okay. Voilà, donc du coup j'ai appris qu'il faut le dire, oui, voilà, ouais. Donc du coup je peux dire que c'est une très grande leçon. D'accord, c'est bien ça. Et toi Antonella? Alors moi, c'est une phrase qu'on entend très souvent, c'est donc de profiter de chaque instant de sa vie parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais celle-là, je l'ai compris qu'en 2022. Donc oui, c'est ce que j'ai appris pour cette mignon. Année. C'est mignon, et toi, et tout. C'est lié un peu à mon excès de stress. En fait, tu vas te stresser jusqu'à... C'est pas cet état-là qui a réglé, en fait, le problème. Tu vas bouger dans tous les sens, ta tête va chauffer, ça va pas ramener l'équilibre de la chose. Donc, je suis encore en train de m'auto-former, mais je pense que je suis sur une bonne pente, en train de lutter et puis me séparer de ce stress-là. Et donc, 2022 m'a exprimé, m'a enseigné le fait que le stress ne résout rien, au contraire, il rend malade. Et donc, il faut essayer de doser, de se calmer, de s'apaiser un peu plus. La pure vérité. Ouais. Bah, me concernant, j'ai tiré 2 leçons de 2022. La première étant que la vie, c'est aujourd'hui. La vie, c'est maintenant et pas demain, pas hier, pas après-demain. Ta vie commence au moment où tu te réveilles le matin. Et s'achève au moment où tu t'endors le soir. Donc, il faut profiter, comme Antonella a dit, de chaque moment, de chaque instant. Et la deuxième leçon, c'est qu'il ne faut rien forcer dans la vie. Que ce soit en amitié, en amour, que ce soit au travail, il ne faut rien forcer. Au travail, il faut un peu forcer. Hein. Ah non, il ne faut rien forcer parce que quand tu forces, tu n'es plus naturel, tu n'es plus toi-même. Oui. Tu t'attires des ennuis, tu t'attires le stress. Tu perds la boule, limite. Donc, ce sont mes 2 leçons, voilà. Et pour raccompagner notre CP, on m'a soufflé à l'oreillette que c'est une artiste. Voilà. Donc, on n'a pas la chanson, mais on va lui demander de nous faire un petit a cappella pour dire au revoir à nos potes et nos CP du club qui nous suivent actuellement. D'accord. J'ai hâte d'entendre ça. Okay. Bon, je vais faire un tout petit truc. D'accord. J'ai commencé. Hein. Non, t'as fait d'abord, puis on va plus. Tu sais, bébé, les gens ont la langue très tendue. Ils aiment dire ce qu'ils n'ont pas entendu. Ne les laisse pas gâcher ce qu'ils n'ont pas construit. Notre amour, mon bébé, c'est nous deux, personne d'autre. Mais ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler jusqu'à fatiguer. On est collé, on est collé, on est collé pour la vie, mais ils vont parler. Ils vont parler jusqu'à fatiguer. On est collé, on est collé pour la vie. Je t'ai mis à mort, je t'ai mis à mort, mis à mort, je t'ai mis à mort. Y a su amor. Elle aime son amour. Si amour. Ouais, c'est super. Sur ce, on va y aller directement pour la pub et on revient juste après. Ne bougez pas. Merci. Bonne année. Dans quelques jours, voilà, ce sera une nouvelle ère. Et nous sommes de retour sur le plateau du club. Aujourd'hui, on fait le bilan de l'année 2022 dans la bonne humeur. On avait notre CP, voilà, tout à l'heure, qui vient de partir. On va en accueillir une autre
qui s'appelle Aipo Ode Pesito. Yeah. Ah ça. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Au plaisir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bonsoir CP. Tu es sapée. Ah, oh, elles sont carrément bonnes. Waouh. Wow. Tu préfères qu'on t'appelle comment? Ode ou Pesito? Pesito. Non, j'ai envie de lui donner un petit sobriquet qui sera ma CP latine. CP latina. Ça va Pesito, la CP latina. D'où viens-tu? Bon, je viens du Yopougon. Attends. J'ai dit que j'étais calme aujourd'hui. Mais c'est pas ça fait que je vais réveiller mon côté sensible. On dit c'est pourquoi fait. Tu chocotes si tu viens de Yopougon. Non, mais en fait, je la comprends, tu sais. C'est vrai que là-bas aussi, il y a des douces fleurs et tout. Mais on est vrai. Donc, c'est ton côté vrai, là. S'il y a des ça, j'ai besoin. En plus, elle a écrit au numéro du club hein, pour passer à la télé. Il y a un problème. Niki, tu lui dis, c'est ton côté vrai, dont j'ai besoin. D'accord. Donc, d'ailleurs, un peu, si vous voulez passer comme notre CP aujourd'hui, donc c'était quoi notre CP? Pesito, la CP latine. Voilà, notre CP latine. Donc, si vous voulez aussi vous appeler, vous envoyez un message au 07 80 19 24 24. Je vais retenir le 99. Ouais. Alors, ma CP, bienvenue dans la seconde partie de notre émission Bilan d'aujourd'hui. J'aimerais te demander, tu étais là tout à l'heure quand on parlait avec notre CP Vital. Tu as entendu tout ce qu'on a dit. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit résumé de ton année 2022 et quels sont, quel est le bilan que tu fais de cette année-là? Bon, ce que j'aimerais dire, mon année 2022 a été... une année vraiment pas facile parce que d'abord j'ai commencé l'année avec une maladie et ça m'a beaucoup affecté. Je sais pas, voilà, affecté. Et après ça j'ai eu pas mal de choses avec bon des personnes, pas la trahison, oui. Les hypocrisies, ça pas trop, ça crée ça, la là. Solitude et ça. Même encore. Le pire même, c'est que je termine encore avec la maladie, ah. Étant malade. Là, parce tu que, ouais, je suis encore souffrante. Ah, je sors, bon, on peut dire que je sors d'un palu. Mais c'est fini, c'est... non? On tu peut sors. Dire, bon, je suis encore en traitement. Non, ça va, non, 31 ça va, loin, ça va. Tu seras bien bientôt. Tu sais, moi, j'ai un petit conseil à te donner. Il faut positiver. Oui. Même quand ça ne va pas, dis que tout va bien. La foi, c'est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Donc, plus tu manifesteras que tu vas bien, plus tu vas voir que tu seras plus détendu, plus à l'aise. La maladie, c'est rien. Et parce que même la maladie, c'est rien, voilà, je te propose de faire un petit jeu avec mon Ayete, Ayete, oui, elle adore ça. Et Estouchou, c'est la partie même phare de l'émission qu'elle a, la partie 2. Et ce jeu-là, voilà, ce sera un mixte de l'action-vérité, voilà, et du jeu de mime. On avait fait un jeu de mime ici, là. Bah oui. Esther m'avait volé quelque part. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. Avant la fin de cette année, là, je dois récupérer mon point à l'abri, là. Donc, si tu veux activer mon côté compétition, là, ça va pas oui, aller, oui, là. Oui, 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 oui. Bon, c'est okay. Mime ou Bing. C'est... Ah, c'est un mélange, quand c'est même. C'est un mélange, voilà. On a l'urne qui est là. Voilà. Chacune okay. Va tirer un bout de papier. Ça sera peut-être soit... une action en vérité ou un jeu ou de mime. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc je laisse notre CP latine. Un jeu de mime ou action en vérité. Thank you. There you are. Dépêchez-vous. Yeah. Dépêchez-vous. Je peux piocher. Faut pas m'avoir. Faut pas m'avoir. Personne ne doit avoir. D'accord, je vais poser l'urne là. Et Esther, comme ça. C'est même quoi? Non, en fait, on va commencer par qui? Attends, je vais regarder. On commence par toi-même. Donne l'exemple. Allez, c'est ton jeu. Aïe, pourquoi? Oh, allez, donne l'exemple. C'est ton jeu. C'est moi qui ai tiré ça, là. OK. Regarde la caméra et fais une déclaration d'amour à un de tes parents proches, parents, amis. Pourquoi vous avez mis amis? Mais va faire à... Non, je ne vais pas faire à Daddy Chou. À Daddy Chou? Ah oui, quand non. Même. Daddy Chou, ça sera... Non, on dit parents, amis. Est-ce dit que c'est mon Daddy ami? Daddy Chou. Daddy Chou. Attends, Daddy elle dit c'est pas son ami. Hein. Non, c'est pas mon ami. En vrai, c'est si j'ai une déclaration à Daddy Chou, ça on sera... dit d'amour à ton parrain. Donc, faut je vais... Faire, faire. Aïe, donc vous voulez... Bon, je vais faire deux déclarations. OK. Alors, la première, je veux la faire à mes parents, voilà. Mon papa, Monsieur Zaté,
et sa femme, Madame Zaté. Voilà, je vous adore, je vous aime. Je sais que je ne suis pas très expressive. Moi, je suis plus expressive dans les actes et tout, parce que je dis que dire je t'aime et prouver que je t'aime, c'est mieux que dire je t'aime. Donc, je vous aime beaucoup. Merci. Merci de m'avoir permis d'être la femme accomplie que je suis aujourd'hui. Voilà, je vous aime fort. Bisous. Mmh. Maintenant, à mon daddy chou d'amour. Son daddy chou, là, ça sera... Ouh. Rien à voir. You know, I know that I love you so. That is. N'importe quoi. Je suis gênée. Allez, ma CP là-dessus, non, pardon, sauf moi. Bon. À moi, on demande de chanter un a cappella d'une chanson que j'adore. Ouais. D'accord. Tu sais chanter? Un peu. D'accord, on va essayer. Bon, chanter fort. Ta caméra sous la socle. Alors, voilà ta caméra juste là. Allez, prends le micro naturel des voix de Pougon et chante. Whitney Houston, s'il te plaît. Bon, je vais chanter une chanson de Morija. D'accord. Ah, d'accord. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sonde les cœurs, hein? Je suis posée en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Pas toi, oh, mon monde est aride. Sans toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu de malheur en berger. Par toi, oh, je suis si invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh. Ah, bravo. Quelle histoire. Donc toi, si tu es chanteuse. C'est, j'adore. Ça, c'est une de mes chansons préférées de Morija, à qui je fais un coucou. Bisous. La nouvelle future mariée. Quelle future mariée? Morija. Ah, Morija, oui. Okay. Ah, elle est venue prendre l'onction là ici. Elle a pris l'onction là ici. Ah oui, et quand tu te sens indexée bien. Parce que Niki voulait dire, moi je vais te donner mon gage. On peut faire ça. Pour moi là, on dit, tu peux donner le gage à la personne de ton choix. Toi. Quel est le gage? Il s'agit de... Danser à Zalaka Péou, ici. Toi, viens ici, danse à Zalaka Péou. Dieu merci. Comme ça. Dieu merci. Allez, vas-y. En plus, on ne sait même pas danser. Ya, ya, mangea, ya. Ok, de moi, c'est pas grave. Ya, 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 Zalaka Péou, qui t'a emballé. On t'en a dit vaurien. Franchement, c'est vaurien. Alors, un pur délice. On va faire un dernier tour rapidement. Je t'attends. Tu as vu, c'est mon dernier. Ah, oui, oui. Ah, tu n'avais pas. Non, c'est pas que tu donnes pas le gage à quelqu'un. Ah, d'accord. Toi, je t'attends. Moi, j'ai déjà tiré. On dit, cite-nous deux gros défauts que tu as et que personne ne soupçonne. Bon, je dirais très nerveuse. Je suis très, très, très nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai soupçonné ça. Tu as déjà dit ici que tu as pas de travail, une beau, tout ça. Donc, on le sait hein, que tu es nerveuse. Et deuxième, je ne sais pas, peut-être, je veux dire, on dit ça perfectionniste. Ouais, oui, j'aime trop oui, la perfection. On dit ça. Tu es, Josh. Je ne sais pas si c'est encore. Un défaut, bon. Oui, oui, et tu fais passer. J'espère que personne. J'espère que cette fois-ci, ça sera. Personne n'aura un gage à donner à quelqu'un d'autre. Tu fais passer. Esther, on te gâte pour... Je vois ça. Tiens. Oh, God. Esther, là, elle triche. Non, j'ai pas triché. Tu as pioché, toi? OK. On va commencer avec Esther. On commence avec Esther. Mais je peux pas. On dit Dieu ça. Ne dort pas. T'es tombé les yeux. Non. Non. Hey, c'est trop vilain, je vais pas réussir. C'est quoi? On y va, on y va. Mais c'est ça, c'est. Attends, je suis bien. Non, mais c'est dur. Non, mais j'adore ce jeu, là. On devrait faire ça plus souvent à l'émission. C'est ça, ici. Et c'est dur. Ah, c'est une mime. Ok. C'est l'arrivée qui compte. Quoi? C'est l'arrivée qui compte. Non. On reprend.
C'est une phrase ou d'abord, c'est quelque chose? C'est quelque chose. D'abord, il y a une personne qui est là et la personne regarde. Et ce qu'elle regarde, ça fait ça. Un cerf-volant? Non, non, bah, ok, ça fait pas ça, ça fait ça. Un kangourou? Non, en fait... Ah, toi aussi. En fait, ok, ça fait... C'est quoi ça? Est-ce que tu sais même toi-même ce que tu es en train de dire? Non, mais en fait... Ah, ok, j'ai une idée. Ce qu'elle regarde, la personne, ça fait ça. Un ballon? Non. Un joueur? Alors, je dis la personne, elle est arrêtée comme ça, et puis elle appelle ses amis. Oh ah, c'est des feux d'artifice. Des feux d'artifice? Des feux d'artifice. Ah. Non, dernière chance. J'ai gagné, non, puisqu'elle ne trouve pas depuis. Là, pourquoi chance? Mais tu me mais tu ne mimes pas bien. Alors, c'était une étoile filante. Non, mais tu as vu, non. Tu as vu son comportement. Tu as vu, attendez là. C'est de ça que je parlais ici, là. Comment tu peux mimer une étoile filante comme ça? Bon, mais attends, si vas-y. Non, non, Nikki, il n'y a pas de soucis. Tu veux qu'il mime l'étoile filante, là, comment? Attends, non, on se calme. Nikki, comment tu ferais ça, toi? Bon, je vais faire... Mais ça, c'est quoi? C'est la... L'étoile brille. Peut-être juste comme ça. Et puis ça file. Ouais. C'est un truc comme ça. Attends, ça. Je dis, la personne est là. Attends, non, non. Il y a une personne déjà dedans. Bah, c'est pétard, mais parce qu'en général, on regarde. Voilà, si elle était. Y'a. Point là, tu n'as pas gagné. Si j'ai un point, on note. Et notre CP, Latina. Le nom de ta poupée quand tu étais petite. Ah oui, le nom de ta poupée quand tu étais petite. Attends, j'ai même pas vu le nom. La poupée Barbie. Ouais, tu avais quoi comme nom? Les poupées Barbie. Elle ne connaissait pas le nom là. Je ne connais pas le nom. Ça. C'était poupée. Mais elles ont toutes les mêmes chansons. Ta ni na ni na, ni na na ni na. Ah, I'm a Barbie girl, voilà. In the Barbie. Mais en fait, c'est du coup, oui, la chanson, mais c'était quoi son nom? C'est pas les poupées Barbie. Non, non, chaque poupée a un nom. En tout cas, bon ça. Mais est-ce que tu te moques pour laisser ma CP Latina? C'est ta poupée Barbie, elle a dit que c'était ta poupée Barbie. Attends, attends, est-ce que tu as déjà donné un nom à ta poupée? Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais une poupée qui s'appelait Coconut Girl. Non, moi, la mienne s'appelait Bianca. Moi, c'était Hila. Et puis après, la poupée est rentrée dans mon corps et c'était moi, Hila. J'avais un petit ourson qui s'appelait Tito. Elle est bizarre, en fait. Ah, ça, c'est trop mignon, toi. Tito. Oui, Tito. Alors, il franchement, je ne sais pas ce que vous avez avec moi ou contre moi, danser sur une musique imposée. Mais franchement, choisissez bien la musique. Alors, on a choisi, c'est comment il y a Chigom dans Tire. En tout cas, ça, c'est pas chewing-gum, c'est chewing-gum et on est fait, parce que c'est pour les chocos. Des cœurs. C'était super bien fait, tu en as dans tes reins. Merci, Jean. Oui, il y a des reins solides. Nikki. Alors, moi, c'est un mime. Oh, donc, lis la suite dans ton cœur, voilà. Il y a un castor. Une écureuil. Tu fais bien. Toi. Moi, c'est... Mes flèques, mes souris! Tu as déjà dit un castor, c'est ça? Ouais, j'ai déjà dit castor et écureuil. Mais il y en a une souris. Oui! C'est quoi? Une souris! Ah non, c'est plus, c'est pas mal! C'est pas mal. En tout cas, c'était mieux que l'étoile filante. Ah oui, je te dis. J'ai dit que je suis la reine du mime, donc j'ai gagné. Non, attends, moi aussi, on n'a pas trouvé pour moi. Toi, on a trouvé pour toi, ça veut dire que t'as pas gagné. Oui, c'est fini. Malheureusement. Oh, c'est chic ton truc là. C'est chic, non. Mais c'est bien, elle a gagné aujourd'hui. Oui, la CP, notre CP Latina, très très forte. Applaudissez-la, s'il vous plaît, hein, parce que elle a deviné, franchement. Ouais, merci. Les poupées Barbie. Les amis, on va passer à une autre étape avec Inbox. Antonella, le Inbox d'aujourd'hui, très spécial. Oui, oui, très spécial, donc on va le découvrir ensemble, hein. On regarde. L'année 2022 est une belle année pour moi parce que, enfin, en une année, j'ai eu une gratification au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et puis aussi, à la maison, j'ai pu acquérir certains projets, enfin, certains projets se sont concrétisés. Et pour moi, je donnerai en fait 80%. Voilà. Donc, que Dieu bénisse la nouvelle année qui commence. Sur une échelle de 1 à 100%, je donne 70% à mon année 2022. Bah, je n'ai pas atteint tous mes objectifs. J'ai encore du progrès à faire,
que ce soit professionnellement parlant, dans ma vie sentimentale, même dans ma vie personnelle. Donc je me dis que voilà, c'est, de toute façon la vie, c'est, ce sont des échelons qu'on gravit. Donc 2023, il y aura encore un pourcentage de plus et puis voilà, je pense que ça va. Sur une échelle de 1 à 100%, je donnerais un 70% à mon année. J'ai passé une merveilleuse année. Il y a eu de très belles nouvelles, de très belles choses au sein de ma famille, de ma petite famille, de ma grande famille. Donc je ne peux que dire merci à Dieu. Les 30% restants ont débuté, on peut dire que... Les 30% restants ont débuté là, en 2022, là, et vont prendre fin en 2023. Donc, je suis super impatiente et je dis déjà merci à Dieu pour ça. Sur une échelle de 1 à 100, je dirais, je donnerais 60 pour mon année 2022, parce que professionnellement, mon année a été une année très réussie. J'ai réussi à faire pas mal de choses. Maintenant, les 40% restants, ça, c'est pour les poches. Il n'y a pas l'argent. Je donnerais entre 60 et 70 parce que... Alors, ça n'a pas évolué comme je voulais. Il y a eu de bonnes choses, de très, très, très bonnes choses. Mais j'en voulais plus, comme d'habitude. Moi, j'en veux toujours plus. Mais malheureusement, j'ai un peu stagné, ce qui est un peu dommage pour moi. Mais bon, c'est la vie, hein. Alors, félicitations. Voilà. Bravo, bravo à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu. Mm-hmm. Il est quand même bon de faire son bilan, hein. MACP, qu'est-ce que tu en penses du fait de faire son bilan en fin d'année? Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose aussi, parce que ça permet aussi de voir les parties où tu n'as pas été performant, les parties où peut-être que ça n'a pas marché, voilà, pour pouvoir faire mieux l'année suivante. D'accord. Alors, dans Inbox aujourd'hui, on n'a qu'un seul message que nous allons découvrir à l'écran, maintenant. Bonjour les trois mousquetaires, j'espère que vous allez bien. Je suis un grand fan de l'émission, bah, je parle du club, et j'admire l'esprit, l'état d'esprit que vous dégagez. Continuez, le bonheur vous attend. Je veux un peu définir chacune d'entre vous. Antonella, elle a fini avec SAP. Quand tu entends SAPologie, là, elle est la reine. Et pardon, Antonella, impose-toi un peu, comme tes deux sœurs prennent plus de place, mais peut-être que c'est dû à ta timidité. Esther, elle l'a fini avec connaissance. Esther, quand tu parles, on sait qu'il y a bagage intellectuel et tu déchires grave. Nikki, oh ma Nikki, Nikki c'est la vie. Tu respires la vie, tu vis la vie. Sans toi, les lumières de l'émission Le Club sont éteintes. Sans toi, le club risque de ramasser ses jolis canapés. Rire, les trois mousquetaires, mille merci pour vos sensibilisations. Je te laisse terminer, Anto. Alors, c'était où tu es arrivé? Sensibilisation, les thèmes. Merci. Les thèmes sont dignes d'un film de télé-réalité. Continuez. Vous êtes les meilleurs et bonne fête, plein de ballons. C'est Abdou Aziz depuis Yopougon. Oh, merci. Abdou Aziz depuis Yopougon. C'est vraiment bon trop chou. Ouais. C'est tellement chou ton message. Tu as décrit chacune d'entre nous parfaitement. Voilà, nous t'adorons. Alors, on fait un gros coucou aussi à nos CP2. Moi, si je peux juste me permettre, je ne dirais pas que c'est de la timidité, mais je dirais que je suis un peu trop réservée, on va dire. J'évite un peu trop de me lâcher. Mais sinon, c'est... Tu as vu juste. Antonella qui est là, je vous dis que c'est à l'antenne ici qu'elle est comme ça. Dans les loges là-bas, là, elle me fatigue. Arrête. Alors, non, mais vraiment, merci beaucoup hein, pour ton message. C'est vraiment adorable de ta part. Et puis, j'espère qu'on en recevra plein d'autres de ta part. Oui, on en recevra plein d'autres au cours de l'année qui vient. On part pour la pub maintenant et puis on revient tout à l'heure. Hey Nikki! Donc c'est la danse responsable. La danse responsable. Vous l'avez compris, on est de retour. Bah oui, on est de retour sur le plateau du club. On est avec notre CP du jour, donc notre CP Latina. Et puis directement, on va passer à notre rubrique. C'est In. Esther,
tu as une petite surprise pour nous dans le C-In d'aujourd'hui, oui, j'aime pas comment tu me le demandes. J'aime bien ton truc où tu fais « C'est qui est passé ?» Ah d'accord, ok. Okay. C'est qui est passé dans le C-In aujourd'hui? C'est Oui, et c'était très amusant les filles parce que j'étais dans les rues d'Abidjan, plus précisément dans mon quartier de cœur, Faya. On regarde ça. Yo les gars, nous sommes au grand carrefour de Faya. Et si je suis là, c'est simplement parce que j'ai envie de me balader un peu partout, vous approcher et vous demander ce que vous avez prévu de faire pendant les fêtes de fin d'année. Alors, si vous êtes prêts, j'arrive maintenant, go! Bonjour ma belle. Bonjour. Elle répondait au nom de Belle. Et voici son maître Gims. Alors les gars, dites-moi, 31, premier, qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, moi rien. Voilà. Rien. Concernant la fête de fin d'année, on compte sortir aller faire la fête avec des potes, comme d'hab quoi. Ah oui, c'est ça. Swingé. Toi, et toi tu vends quel truc dans Yougou Yougou là? C'est veste. Les blazers, tu vois non, avec les jupes, les pantalons, il y a un peu de trucs quand même. Et tu vois, mais sur le marché quand même. Et quand c'est la fête comme ça marche plus non? Oui quand même, Dieu merci quand même ça marche. Mais comment tu vas faire? 31, tu vas vendre aussi ou bien tu vas aller t'amuser? Je vends le 1er décembre qu'on a commencé jusqu'au décembre et le 31, on vend. Donc toi, tu ne fêtes pas? Non, quand même, je fête. Franchement, je fête. Hein. Maman, j'aime la fête. Il dit franchement. Mais, oui. La fête, c'est la fête. Il faut fêter. Oui. Parce que maman, j'ai mon amour à côté, tu vois, non? Avec mon frère qui est là. Il s'appelle Aziz. C'est mon grand homme qui est là. C'est toi, non? Lui aussi, il a son amour. Live TV. Live TV, toujours. C'est Anjaye. Bonsoir, frère sang, bonsoir. C'est juste un instant, Live TV qui veut savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Et puis, surtout, ce bel homme-là, qu'est-ce qu'il a prévu de faire pendant les fêtes de fin d'année? Pas grand-chose, honnêtement. Bonjour. Et vous avez affaire à Monsieur Rouchdan. Pour les fêtes, on n'a pas prévu grand-chose. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire ce que vous voulez, vous comptez faire même? Être avec sa femme et un dîner, c'est tout. C'est pas croire qu'à Abidjan, tout le monde est casé. Peut-être, oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec elle? Restaurant, des parcs d'attraction. Vu qu'on vient d'arriver, je vais lui faire découvrir. Parce que wow. Ça, vous vivez où avant? On est à Cotonou. À quoi, bah, comme on dit chez nous? Et puis amusez-vous. Bon, mon frère... Bonsoir. Côté Salassin. Côté beaucoup de chocobis là. Bonsoir madame. Bon alors tu veux pas que je chocose, donc faut me dire, tu as prévu de faire quoi pendant les fêtes? J'ai prévu de faire quoi? Faites l'arrivée à commencer. Chaque samedi on est dans Bendo. C'est un autre mood qui se dévoile à nous. Chaque samedi. Bon choco. Ça va? J'étais effrayé. Mais là c'est pour passer à la télé là. Tu vois, du coup, il faut montrer ta choco-attitude et puis on va répondre aux questions. En plus, c'est rien d'autre que de savoir ce que tu as prévu de faire pendant les fêtes. Pendant les fêtes, aller fêter en famille. Là, tu n'es pas en famille ici? Non, bon, je suis ma tante. Tu es ta tante? Et vous fêtez comment? Comment on s'organise, quoi? Bon, quand les fêtes arrivent, on va... à Djoké, on a une maison, on a une grande maison et en fait tout ça c'est histoire de faire des retrouvailles, tout et tout. C'est bien, moi j'aime bien les trucs de famille là, c'est toujours bien. Allez Choco, faites bien, amuse-toi. Nous sommes dans le meilleur quartier de la commune de Cocody, this is Faya. Vous avez compris, ici on est des chocos, on fait un peu ce qu'on veut. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a d'autres qui vont rester en famille. Pendant les fêtes d'année, il y a d'autres qui vont partir à l'église. Et puis voilà, on a pris un peu les avis de tout le monde. Ces braves garçons, eux aussi, ils vont travailler mais aussi profiter parce que c'est une fois dans l'année que ça arrive. Profitez de votre côté. C'était Live TV dans la commune de Faya. Cocody. Vraiment, 2022 en train de finir. Franchement, il faut explorer, n'est-ce pas toi qui l'as dit? Ah, clairement. Profiter de chaque instant tu de vois, sa vie. En fait, je vous ai impacté chacune d'une certaine manière. Toi, tu te lâches plus. Et toi, tu fais des conclusions sur les mots trop. Bravo. Alors, CP, moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses déjà de l'émission et tout? Je pense que c'est une très belle émission. D'accord. Parce que, bon, les
les animatrices même d'abord, je les adore. Ah, c'est mignon. Et ça me plaît parce qu'il y a des thèmes souvent, quand on écoute, on se trouve là-dedans. Voilà, donc quand j'ai appris, quand la dame m'a appelée, en fait, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. D'abord qu'elle m'a appelée, elle m'a appelée sur le fixe. Donc, après ça, elle m'a envoyé un message sur son numéro personnel, tout ça. Donc, je me suis dit, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, c'est décennie là. Donc, j'ai demandé. Et puis, bon, elle m'a dit, ça passe à 15h. Pourtant, l'émission, voilà. Donc, j'ai appelé pour demander, est-ce que vraiment c'est l'émission? Comme c'était il y avait ma camarade qui était déjà passée ici, Marjolaine. Donc, elle m'a donné plusieurs renseignements et puis voilà. J'ai c'est continué comme ça à que causer tu as avec elle. Ah, mais c'est franchement, c'est magnifique. Ça. Est-ce que tu auras un message à donner à nos CP, nos potos du club, voilà, qui nous suivent, de faire comme toi, d'écrire par exemple et tout? Rapidement. Bon, j'aimerais dire à tous les CP, les potos qui me regardent actuellement, bon, si vous sentez un besoin de participer à cette émission, voilà, n'ayez pas peur. Écrivez au numéro qui s'affiche et puis suivez les consignes, quoi. C'est exact. Donc, le numéro, voilà. C'est le 07 99 24 24 24. Et puis, voilà, hein, la preuve, ouais, j'ai retenu, la preuve, elle est avec nous aujourd'hui. Hein. Donc, c'était notre CP Aude. Donc, et un grand merci à toi, Aude, d'être venue merci aujourd'hui. À vous aussi. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis, on se dit bien sûr hein, à demain pour un dernier numéro du club pour cette année, bien sûr. Et puis, on vous souhaitera plein de belles choses pour l'année 2023. Mais pour le moment, nous sommes encore en 2022 et on se dit à demain. Gros bisous à vous.